Salut à tous et à toutes, c'est BCDH Money, les amis. On se retrouve aujourd'hui sur FS15 pour une nouvelle série agricole que je tenais à faire, hein, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'agri, hein, sur FS. J'ai fait beaucoup de forestier, commencé pas mal de projets, parce que c'est vrai qu'avant tout ce qui est le domaine YouTube, tout ça, hein, je suis mappeur, hein, donc c'est vrai que le mapping, c'est quand même quelque chose d'assez long, on va dire, surtout dans ce que moi j'aime faire. On va dire, je prends énormément le temps de le faire. Donc c'est vrai que de temps à autre, je me dis voilà, histoire de décompresser un peu, vu que je joue pas non plus souvent, je me dis voilà, une petite carrière agri, tout ça, avoir vos conseils les amis, pouvoir aussi en jouer avec vous, hein, de temps à autre, même si bon, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, je suis toujours un petit peu à l'ouest. Dans tous les cas, j'essaierai d'organiser donc des multis, puisque je me suis dit de ce qui pourrait être simple. Ça serait en fait que je puisse directement vous mettre en fait le lien de mon serveur. Donc bien entendu, hein, il y aura juste 5-6 modes, hein, de façon à ce que vous puissiez télécharger facilement. Donc ce serait donc c'est à voir, c'est à réfléchir. Donc comme ça, directement dans la vidéo, je balancerai, hein, le lien, comme ça si vous voulez rejoindre. Donc ce sera un serveur bien sûr entre 4 et 6 places, voire je pense 4 places plutôt, puisque je pourrais me prendre la tête non plus à tout gérer. Donc je pense 4 places pour 4 joueurs sérieux, hein, bien évidemment, hein, ceux qui sont intéressés pour pouvoir jouer en carrière agri, parce que c'est vrai que bon, j'ai un peu moins de connaissances dans l'agri, mais je me dis voilà, j'ai envie de me faire plaisir quand même. Alors on commence cette série, donc ce premier épisode sur la carte Holzhauen, pardon, je sais plus si je prononce bien, une carte que j'aime énormément dans la fonctionnalité agricole, puisqu'elle est vraiment très 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 bien et vraiment très fonctionnelle. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte. J'essaierai de vous mettre de nombreux liens, hein, de ce que j'ai de disponible, hein, pour vous, les amis. Hein, ou si vous voulez donc avoir, hein, certains de ces véhicules ou modes, hein, que je ne peux que vous conseiller, comme cette superbe M3 E92. Vraiment splendide, en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait celle-là et puis une petite coccinelle que j'ai téléchargée. On va la démarrer. Alors j'utilise le ZZ manuel machin for war là, donc qui permet de démarrer ces véhicules et les laisser en route. Alors donc par contre la version de la map actuelle, hein, ne sera pas, enfin je vous donnerai le lien d'accès à la map originale, puisque cette version bien évidemment est modifiée. Légèrement, hein, sur quelques petits champs, de façon à rendre certains champs, on va dire, fonctionnels à ma façon, pour moi, hein, personnellement. Et je me suis fait, comme toujours, hein, comme souvent, j'aime bien me faire, un petit hangar et un petit coin de rangement où je peux tout ranger, mon petit bordel, tout mon petit truc. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous présenter cette petite BM vraiment, vraiment très sympa, vraiment très cool, que je vais vendre tout de suite pour commencer directement cette carrière. Allez, c'est parti, on va la vendre. Alors, vous voyez, j'ai pas mal de véhicules, un gros paquet de véhicules sur la map. Alors, elle est ici, on va la fourguer, hop, c'est parti. Tac, 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 voilà. Alors, en tracteur, bah, j'utilise JCB, je veux dire, un peu tout, hein, donc vous verrez, hein, certains modes que je peux utiliser sont WIP, hein, donc là, par contre, il n'y aura pas de lien, en tout cas, il y aura toutes les informations, hein, pour vous, les amis, à vous donner directement. Alors j'en étais où la dernière fois? Alors j'étais au champ, je vais remettre un ouvrier. Hop, c'est parti. Voilà. Alors j'utilise aussi celui-là, le 1255 international. Alors ce modèle-là précisément, je sais plus trop exactement, je vais vous dire, hein, précisément pour tous ceux qui ne connaissent pas. Alors le IHC1255A. Alors ça c'est un tracteur que j'aime beaucoup. Alors, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs modèles. Donc c'est un pack, hein, directement. Moi j'ai juste modifié quelques petites bricoles comme la caméra, j'ai enlevé les garde-boue aussi, parce que bon, ça, j'aime pas trop les garde-boue sur certains modèles. Je trouve que ça en jette beaucoup plus sans. Bon après c'est un goût, hein, comme les couleurs, hein, je veux dire après c'est chacun. En remorque, j'utilise donc les remorques Frabel, hein, qui sont, on va dire, mes remorques préférées, on va dire c'est des remorques que je kiffe énormément. Surtout que vers chez moi, il y en a quelques-unes, hein, des modèles un peu dans ce genre-là. En tout cas, c'est des remorques que je vous conseille énormément, parce que c'est vraiment de l'équipement fantastique. Et c'est trouvable, hein, sur le forum de Frabel, ou bien sûr, après suivi du règlement d'inscription, hein, vous pourrez accéder à leurs superbes mods qui sont vraiment géniales et très, très ultimes, hein, on va dire, dans farming. Allez, hop, on enchaîne directement avec ce class 950. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder quand même, parce que
C'est vrai que depuis le temps que j'ai pas fait de la grille. Classe action 950. Donc, c'est des modèles bêta, il me semble. Mais vraiment pas mal. Allez, on va commencer par pailler. On va démarrer aussi le coco qui est là pour le faire chauffer. On va regarder un peu le fuel aussi. On va, de toute façon, on va remettre le HUD de façon à voir. Je vais mettre mon petit chrono pour pas que je me craque sur la longueur de cette vidéo. Alors, comment j'arrête? Tac, tac, démarrage. C'est parti. Allez, on démarre ce John Deere. Qui est vraiment sympa. 7210R bêta, qui est donc trouvable sur Quiz ou bien des sites. Hein, donc je vous mettrai le lien de toute façon. J'utilise aussi hein, donc le DLC Runner. Bon, j'avais pris parce que bon, je me suis dit voilà, en tant que fan de farming, même si c'est vrai, bon, c'est un peu cher, un peu frustrant pour je pense les fans de se dire voilà, c'est un DLC qui est quand même un peu cher avec un contenu qui est assez pauvre, hein, on va dire hein, même très pauvre. Mais bon, après, voilà, je me dis quand on est fan, hein, on ferme les yeux, hein, même si des fois c'est un peu dur, mais bon, ça reste quand même du contenu DLC, donc voilà. Allez, hop, on enchaîne. C'est bon, ouais, voilà, hop. Alors celui-là il est vraiment bien, 950, c'est un truc de malade. En tout cas il est vraiment bien équipé. On a même la possibilité d'allumer cet accessoire. Ah bah oui non, là par contre. Voilà, faut viser le tracteur. Hop, c'est parti. Je vais remettre mon... Voilà, la vitesse automatique. Donc là vous voyez, hein, vous avez même plusieurs modes, c'est ça qui est cool. Ah, en fait ça marche pas quand je suis... Bon c'est pas grave. Il y a plusieurs modes, bon il y a le mode directement là, hein, vous allez pouvoir voir, on va dire quand vous allez remplir une benne, vous allez utiliser les fonctions des accessoires, tout ça. Et vous avez aussi, hein, bon, attendez, je vais vous montrer quand même, hop, voilà, vous avez aussi hein, le... Ah ouais, j'avais même pas vu ça, dis donc, le terrain et tout, ouais, bien cool. Ouais, j'avais même pas fait gaffe, dis donc. Ah ouais, d'accord, donc, ah ouais, il y a tellement d'équipements dans ce tracteur que je mélange les pinceaux. Alors on a ça, on a là, donc ça c'est, je sais pas si ça marche. Ah ouais, putain, cool, j'avais même pas vu, moi je découvre, hein, parce qu'en même temps ça fait pas pas très longtemps, on va dire que je l'ai... Alors je sais pas ce que c'est, si ça marche, là. Ah ouais, putain, la vache. Ah non, ça marche pas. Ouais, non, c'est que de la déco, comme ça, quoi, ok. D'accord, on va remettre le mode là, hop. Donc on a quand même pas mal d'options hein, dans ce 950 actions, et c'est vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup les classes, et c'est vrai que celui-là, il est très classe, faut le dire. Très très classe. Je vous le conseille fortement. Après je sais pas, je l'ai pas testé sur serveur, j'ai plusieurs personnes hein, qui m'ont dit qu'apparemment il y avait quelques petites bricoles à changer pour qu'il puisse fonctionner sur serveur. Mais moi j'ai pas retenu vraiment ce que c'était. Alors hop, on va remonter. Bon, on va se faire aussi un petit chargement, hein, histoire de pas que ça soit qu'on s'en vende pas non plus à faire du paillage, hein, parce que c'est vrai que... Il y a de la ligne droite. Alors là, ça, c'est pour les connaisseurs de la Holzen. Enfin, je l'appelle la Holzen, Holzen, on s'en fout. Vous devez connaître sûrement ce champ-là, qui est vraiment Big Balèze, de chez Big Balèze. Et moi, en fait, je me suis permis de le modifier, c'est-à-dire que je l'ai rendu carré. Donc, généralement, comme les champs qu'on redoute, qu'on n'aime pas trop... je l'ai mis carré, vu que parce que la plupart du temps, c'est vrai que je joue en solo et que j'utilise pas non plus les mods comme le truc là qui vous permet d'avoir les véhicules qui vous suivent, tout ça. Bon, j'ai jamais trop compris hein, le fonctionnement, même si bon, après, ça reste, voilà, quoi, pas compliqué non plus. Mais je n'utilise pas ça. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre le champ carré, tout simplement, pour que l'ouvrier n'ait pas de problème, on va dire, à travailler au champ. Sans le retrouver coincé, donc je l'ai rendu bien fonctionnel de façon à pas mettre des arbres, de façon à ce que le chauffeur, hein, enfin les chauffeurs puissent travailler aisément. On va aller vider en même temps la moissonneuse parce que je pense qu'elle doit être, à mon avis, pleine d'ici peu de temps. Alors, le paillage à 25 km/h, enfin le paillage, hop. Il a un zoom qui est vraiment génial, ce 950, c'est vraiment terrible. Alors je vais le mettre ici, hop, voilà.
Ah merde, je l'ai coupé. Quel con. Hop. Ah celui-là il est vraiment cool aussi. Hein. Moi je l'aime bien ce modèle. Vraiment bien. Alors moi j'ai juste modifié, pareil, hein, j'ai enlevé les garde-boue à l'avant. Et puis j'ai juste baissé un peu la caméra, parce que comme je joue souvent en vue intérieure, et que généralement, je sais que, pas tous les véhicules, mais... Ah, elle m'a l'air d'être... Ah bah non, elle est pleine, c'est mort. Oh, bon, on va aller la vider. On va aller la vider. Allez, c'est parti. On va vider ça. Alors ouais, moi j'ai juste baissé un peu la caméra intérieure. Peut-être un peu trop même, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas méchant. Ah ouais, alors j'ai pas coupé le trafic, j'ai intérêt de faire bien attention quand même. En tout cas, cette carte, elle est vraiment fun, elle est vraiment géniale. Moi, je l'aime énormément, en tout cas. Il y a pas mal de possibilités, de choses à faire dessus. Puis c'est vrai que moi, dernièrement, j'avais pas trop fait de délire à gris. Oh là, j'ai des bottes de paille. Bah, je pense qu'on va les ramasser de la paille après. Sinon, je vais en avoir un peu trop partout. Et puis, je pense que l'aide multi serait vraiment énorme. Parce que en solo, j'ai un peu de mal à m'en sortir. Mais bon, ça reste quand même... On va dire un jeu qu'on aime, hein, de passion. Du coup, ah ouais, j'ai même encore de la paille ici. Ah, j'en ai vraiment un peu partout. Un petit défaut, j'ai l'impression, quand je lâche l'accélérateur, on dirait que les roues se bloquent un peu. Bon, c'est pas méchant, peut-être un roulement noir. Vraiment bien sympa en tout cas. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, quand on arrive ici, ici ça devient rouge du coup quand c'est plein, les silos. Et donc du coup, il va falloir que vous vidiez, hein, du coup, avec une machine. Enfin, vous chargez, enfin vidiez les silos pour pouvoir... Allez, hop, on vide. Tranquillement. Mais sûrement. Petit coup de café, hein, donc ça se vide. Merde, j'aurais dû enlever le trafic, parce que c'est vrai que le trafic dans Farming, c'est casse-couille. Surtout que dans FS15, je trouve que, bah encore avant, on pouvait balancer le trafic à droite à gauche. Du coup, il allait se coincer. Mais là, dans FS15, le trafic, c'est vraiment des blocs de pierre. Parce qu'au final, quand vous allez rentrer dedans, vous avez beau avoir une machine énorme, hein, mais bon, voilà quoi. Allez, on va ramener le tracteur là-bas. Par la route. Ah, j'ai aussi ajouté une plaque d'eau dans la map parce qu'il n'y en avait pas à l'origine. J'aime bien avoir ma petite plaque d'eau partout. Qui est donc équipée du waterplan, hein, comme ça on peut directement, si on veut, prendre de l'eau, mais là on n'en a pas besoin. Donc voilà. En tout cas, pour les vidéos multi, hein, pour les parties multi, on va dire, avec vous les amis, hein, ça serait, hein, si ça se fait, hein, ça sera par contre sur la Holzen originale, hein, et non sur cette version. Présente quoi, juste en respect, hein, par donc le créateur original, hein, puisque bon, on peut modifier, hein, une version de la map, hein, tant qu'après, je veux dire, vous ne la publiez pas sur des forums ou autre, hein. Bien sûr, hein, si vous avez demandé une autorisation. Alors mademoiselle boîte, elle est partie où? Mademoiselle boîte, elle est au fond là-bas. Oh là là, elle est loin. Alors celle-là, elle est vraiment magnifique. Ça, c'est deux moissonneuses exceptionnelles. Vraiment génial, super belle en tout cas, que je conseille énormément. Je vous mettrai le lien en description de cette machine-là qui est vraiment splendide. Je l'aime beaucoup, franchement. Du coup, c'est vrai que j'ai un penchant pour les classes, tout ça, les 780, toute la gamme classe, mais c'est vrai que les NH sont quand même vraiment magnifiques. Y a pas à dire. En tout cas, surtout ces modèles-là, vraiment splendides. Bon, elle est pleine de toute façon. Ouais, bien crado en plus. Enfin, tout mon matos c'est crade. Hein. Bon, normal, hein, après je fais beaucoup de travail là, donc. Beaucoup de fun. Oula, c'est vraiment limite. Enfin, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'agri sur FS. On va dire beaucoup de mapping,
dernièrement, et puis pas mal de forestiers, hein, ce qu'il faut dire aussi que le forestier dans FS, c'est vraiment génial. Enfin, contrairement, on va dire, à tous les jeux forestiers qu'on peut trouver sur le marché gaming en simu, on va dire, il n'y a rien de potable, quoi. Bon, y en a certains qui sont pas trop mal, mais bon, après, voilà, bof, quoi. Enfin, pré-farming, on va dire, au niveau forestier, c'est pas non plus l'ultime, hein, mais bon, ça reste quand même accessible, fun, bien et cool, quoi. Et ça, c'est des fonctionnalités nouvelles qui sont vraiment bien fun, en tout cas. Je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Mon seul petit regret dans FS15, c'est... Enfin, seul petit regret. Après, c'est pas non plus méchant, mais c'est vrai que bah, la suppression de certains véhicules, comme par exemple la tondeuse qu'on avait avant, la petite tondeuse Amazon, là, qui était plutôt bien, hein, et c'est vrai que, justement, pour ça, plusieurs fans m'ont demandé, hein, du coup, s'il y aura encore du passion paysage dans FS15. Bah, je ne pense pas. Je vous le dis direct, hein, je pense pas, parce que, bah, vu qu'on n'a pas... Bon, elle est vide, là, hein. Ouais, elle est vide. Allez, je la mets là, on l'arrête, on va aller faire de la paille vite fait. Je vais arrêter la belle CR directement. Hop. On va déjà couper l'ouvrier. On va attendre qu'il a fini son petit boulot. Vraiment très belle, hein. Vous voyez l'intérieur, vraiment génial. Super bien détaillé, rien à dire en tout cas, c'est vraiment une belle machine. Vraiment très très belle. Allez, on la pose ici. Alors nous, on va prendre quoi alors je vais juste lui, je vais le couper direct, voilà. Et on va prendre pour se terminer, on va prendre ça, hein. Le 1255. Yeah. Oh, celui-là il est vraiment top, hein. Celui-là il est vraiment top. Alors pareil, hein, caméra modifiée, hein. Alors, je vous mettrai le lien directement de là où je les ai chopés, hein, sur Quiz. En tout cas, je vous les conseille, parce que ça, c'est vraiment... On va dire ça, c'est mes petits tracteurs... Enfin, ça fait partie de mes petits tracteurs préférés. Hein. Enfin, moi, j'adore... Je sais que beaucoup adorent les Renault, tout ça, mais... Enfin, moi, je sais que je suis plus attiré par certaines marques. Bon, après, et puis Renault, c'est vrai que comme j'aime beaucoup aussi. Hein. Allez, on va amener celui-là dans le premier champ. Alors, celui-là, on peut pareil, hein, je vais vous montrer. Alors, on peut ouvrir les portes, hein, si vous voulez. Hop. On peut ouvrir les carreaux, d'ailleurs il fait chaud, on va les ouvrir tout de suite. Hop, on va fermer la porte. Je sais pas si on peut ouvrir la grande vitre. Non. Ah non. Il y avait un modèle où on pouvait. Tac. Hop. Et on peut ouvrir aussi la vitre arrière. Voilà. Équipé, hein, de la Marshall Trailer. Allez, hop. Ah, il me semblait que sur LS13, ce modèle-là, il y avait la poignée d'accélération qui bougeait. Enfin, je sais plus si c'était exactement sur le modèle-là ou un autre, peut-être, mais en tout cas, j'avais l'impression, en tout cas. Allez, on fait gaffe parce qu'il y a le trafic, de pas se le prendre. Justement, il arrivait. Bon, on va faire les choses dans l'ordre, hein. On va passer par... pour la vraie route, hein. Soyons professionnels. Ah, mon clignot qui s'arrête plus. Ah si. Alors pour accéder au champ, c'est pas que j'aime bien, c'est qu'on passe par une petite rue. C'est bien fun. Alors moi, ce qui m'a toujours fait triper en fait sur les vieux modèles, c'est leur forme, hein, et tout. C'est ça qui fait que là, ces modèles des modèles de folie, quoi. En tout cas, il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce... Enfin, ces modèles, hein, parce qu'ils sont plusieurs, hein, je vais vous montrer directement, que vous puissiez voir. Alors, tracteur. Allez, un petit temps de réflexion. Alors, les voici. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est un pack, il y en a 4. 1255. Oh, donc, on a un modèle Allware DR, donc il y a deux modèles différents. Ah, oui, alors il y en a un modèle, on va dire, sans relevage avant, et enfin, un modèle avec et sans. Et pareil, donc, du coup, pour les 1455.
donc plus gros modèle, hein. Donc là le 1255 il fait 250 chevaux, c'est quand même un beau bestiau. Et attendez, pas possible ça. Ah non, excusez-moi, je me suis dit oula, 250 chevaux, je dis bizarre ce bordel, c'est quoi ce délire? Non, non, j'ai dû sélectionner un mode. Non, non, pardon, il 125 chevaux pour le 1255 et 145, telle une FZR 1000, pour le 1455. Allez, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre pour charger? Bon, on va prendre celui-ci qui est donc un CAS 160 CVX de Timber 131 que je vous conseille énormément. Vraiment génial. Il a pas mal d'options en plus. Alors, comme par exemple ici, alors je vais remettre le HUD, tac. Alors là, ici, on peut enlever les garde-boue. Donc là, pas besoin pour moi de les supprimer vu que Timber a pensé à ça. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est la petite finition qui est vraiment. On a le sourire quand on voit ce genre de petite finition bien sympa. C'est vrai que certains peuvent se dire, ouais, ça sert à rien et tout. Mais enfin, moi, je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup, bah, on peut mixer entre garde-boue, on peut personnaliser, on peut même ouvrir la porte, hein, il me semble. Hop, voilà. On peut ouvrir la porte et tout. En tout cas, vraiment, vraiment génial. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez accéder hein, à ce tracteur. Alors, on va aller se mettre notre fourche hein, en même temps. Il est ici. Et équipé hein, de la nouvelle fourche hein, que je pense bien d'entre vous utilisent. CZ. DD Passion. Donc, une fourche bien sympa. Voilà. Alors, moi, j'ai le plus petit modèle. Donc, dans celle-ci, hein, y a quand même déjà pas mal d'options. Ce qui est bien et pas bien, c'est. Donc, ce qui est bien déjà pour commencer, c'est qu'on a plusieurs types de vues. Donc, voilà, vous voyez, une vue panoramique, pas mal. La vue originale, et la vue intérieure. Donc, en tout cas, pour ce mode, on va dire, ce qui apporte, on va dire, au niveau de la vue, c'est la première vue hein, qu'on voit qui s'enclenche. Donc, il n'y a qu'une vue un peu sur type de balancier avec. Effet de profondeur, et vous voyez, hop, ça, la caméra, elle bouge directement lorsqu'on bouge et tout le bras, c'est ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va se mettre une petite masse quand même à l'arrière. Bah, tiens, il y en a une ici, parfait. Hop, voilà. Voilà, on va se mettre une masse, on va fermer notre porte. Donc, bien sûr, avec espace, hein, vous voyez, vous avez plusieurs options. Ça c'est le front, ça c'est le relevage avant, hein. Ouais. Ah mince, je l'ai déplié. Ah non, je l'ai refermé. Voilà, bon allez, c'est parti, on fonce au champ. En vue intérieure. Alors ce modèle là, hein, je l'ai pas touché, parce qu'il est full perfect, hein, la caméra est bien réglée. Le modèle est génial, les lights ont été supprimés, tout est bien, impeccable. Moi, généralement, toute la gamme de mode de Timber 131 est vraiment géniale. En tout cas, un grand merci à toi et en tout cas, hein, à tous les fans, hein, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour hein, sur le site hein, de Timber et de profiter hein, de toute la gamme de ces véhicules, en tout cas, sont vraiment fantastiques. Allez, on utilise cette nouvelle fourche du coup que je n'ai pas trop eu le temps de tester. Alors ça se passe comment? Alors et pourtant il y avait un mode automatique il me semble. Alors comment c'est quoi ce délire? Comment ça marche? Désactiver le chargement toit. Alors d'accord. Donc ça veut dire qu'on... Ah ok. Ah ouais d'accord. Ah. D'accord ok. Et donc pour les détacher c'est W. Parfait. Allez, on se remet en HUD de façon à profiter du full complet. Donc là, on peut en prendre que deux maximum. Alors ce pack de fourches, parce que c'est un pack, hein, il y a plusieurs fourches hein, avec. Et vraiment génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool en tout cas, parce que moi, je suis pas. Enfin, je ne suis plus. Hein, j'ai été super bon avant mon chargement à l'époque du farming 2011 et 2013. Et puis après, bah, on va dire que vu que je jouais beaucoup moins, là c'était différent. En tout cas, bah, cette fourche, bah, ça ce qui est bien, c'est que. Bon, après, ce qui est bien et pas bien, parce qu'on se dit, voilà, pour un jeu de simu, enfin, un jeu de simu, entre parenthèses, mais on va dire pour de la simulation, c'est un peu trop facile, quoi. Vous voyez, vous avez juste approché, clac, il y a moins de plaisir quand même, quoi, c'est. Faut le dire, quoi.
Mais ça reste quand même super génial pour une quiche comme moi, hein, qui généralement a perdu un peu la main sur le chargement. Et là, je ne peux qu'apprécier ce mode. Parce que là, vous voyez, ça change tout. Là, on peut faire du chargement bien précis. Enfin, surtout quand ça fait un moment, comme moi, qu'on n'a pas utilisé la fonctionnalité à gris et tout. Hein, donc, en tout cas, moi, ça me fait que sourire. Parce que là, du coup, on peut se faire des beaux petits chargements bien sympas. Mais c'est vrai qu'après, dans le délire de Simu, hein, ça perd un peu son charme. C'est vrai que ça devient un peu trop facile là. Mais bon, ça reste quand même bien marrant. Et puis un coup l'utiliser. Je ne peux pareil que vous le conseiller. Je vous mettrai hein, de toute façon le lien, ces accessoires fantastiques, dans la description. Alors W pareil hein, pour les activer, vous voyez c'est vraiment, vraiment très agréable à utiliser. C'est ça en fait vraiment l'ultime hein, de cet outil, c'est que bah, il est très agréable à utiliser quoi. C'est ça quoi, que ce soit en vue intérieure ou vue extérieure, on va mettre tiens, la vue qui va avec l'accessoire. Hop, alors c'est pas besoin de se mettre bien, on peut. Ouais c'est sympa, c'est une caméra de poursuite un peu quoi. Bien cool en tout cas. Ouais, je suis un peu juste. Ah, surtout qu'à l'époque, hein, en 2011, moi, quand je faisais pas mal d'agri quand même en 2011, parce que c'est vrai que je jouais plus que je faisais du modding, on va dire quoi. Ou aujourd'hui, maintenant, bah, le modding prend une ampleur tellement énorme que bah, le plaisir de jeu est. C'est plus pareil qu'avant, hein, je veux dire, au moment où vous commencez à faire du modding, après, généralement. Le temps devient différent, enfin je veux dire qu'après on a quand même moins de temps, je veux dire, pour se faire une grosse carrière à gris. C'est pour ça que je me dis voilà, en même temps de vous faire des vidéos les amis, hein, et profiter aussi de tous les véhicules, de vos conseils hein, sur pas mal de petites choses en agri tout ça, ou même de bonnes parties ensemble en multi, hein, ce qui j'essaierai de m'organiser au mieux pour pouvoir vous faire ça quand même, parce que c'est vrai que je tiens quand même... énormément à vous remercier hein, quand même les amis hein, pour tous vos soutiens et tout, donc c'est pour ça que je me dis voilà, de temps à autre ça serait quand même bien de pouvoir s'organiser des bonnes parties en agri et revenir beaucoup de fun et de passion hein, entre passionnés hein. Je me dis voilà, ça ne peut être que cool, donc faudrait que je fasse ça, mais comme je vous le disais hein, sous forme avec le serveur hein, donc comme ça je mettrai directement en description le lien du serveur sur 4 personnes. Bon après hein, après je pour pas faire de sélection, hein, on va dire, ce sont les premiers qui seront arrivés sur le serveur, hein, qui seront là, hein, donc après, bon, bien évidemment, hein, je parle hein, exceptionnellement pour les joueurs sérieux, hein, qui sont là vraiment pour le fun, hein, et puis aussi pour la passion de ce métier, de notre jeu, hein, qu'on aime tous, hein, je veux dire, pas, je veux pas de personnes qui sont là pour faire de la merde, hein, ça c'est clair, ce sera éjection tout de suite, et ils ne reviendront pas sur les autres parties, quoi. Mais bon, après, si c'est vraiment dans la bonne ambiance et tout, il n'y a pas de souci. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me changera un peu de mes parties solo. Et puis, c'est vrai que ça fait un bon moment, même très longtemps, que j'ai pas pu faire de bons multi-agricoles. Et c'est vrai que ça manque quand même, quoi. Parce que je me dis, voilà, tout seul, le temps est long, c'est quand même différent. Donc, voilà, c'est vrai que ça serait quelque chose à faire au mieux, quoi. Alors, il m'en reste encore une là-bas, et c'est fini. Donc comme ça après on se termine par les bottes de foin. Voilà, bon en fait c'est tout. Bon, à la limite je vais refaire le champ là, tiens après juste au passage. En testant le nouvel nouveau déchaumeur là que j'ai téléchargé, qui m'a l'air bien sympa. Oula, manœuvre pas évidente.
Qu'est-ce que je me fais? Bon, c'est pas grave. On va se prendre la tête. Alors, par contre, du coup, voilà, ça enlève les collisions, en fait. Et voilà. Hop, nickel. Allez, on ramène ça à la ferme. Au passage, je vais prendre. Tiens. Ah bah en fait, ça se trouve, je peux même prendre. Ah bah non, je suis de rentrer dans le champ. Bon, c'est pas grave, je vais rentrer dans le champ. On va pas faire la route pour rien. Alors, on a la possibilité de faire du forestier hein, aussi dans l'agricole, parce qu'il y a quand même des forêts bien sympas. Hop, ça prend carrément deux ballots. Ça, c'est cool. Bon, c'est vrai que les ballots sont plus petits maintenant aussi que dans le 13, où on avait du diamètre quand même plus gros. Donc, déconseillé en vrai, hein, bien sûr, éviter. Enfin, bon, c'est un jeu, on se fait plaisir en hein, la foot. Y a pas de flic ici. Hein. Hop, allez, on retourne à la ferme, déposer ça dans notre coin de stockage. Oh, qu'est-ce que je fais? Moi, je me prends le poteau. Allez, alors faire gaffe parce que tous les poteaux sont, enfin, sont en collision, on va dire destructible, quoi, entre guillemets, hein, puisque on va dire tout peut voler si vous prenez les petits picots sur la route ou tout le bordel. Ouais, on va se mettre les ballots de paille, enfin de foin, pardon, ici. Ah oui, je vais déjà faire un petit peu le stockage là rapidement. Pour nourrir mes bestiaux. Hop. Voilà, je vais rechercher le 1255. Il est ici. Allez, c'est parti. On ramène tout ça à la ferme en espérant que ça se pète pas la gueule. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Impeccable. Alors, les rétros sont... Ah oui, aïe. Un peu trop à la bourre là mec. Le risque de faire des conneries. Non c'est bon. Impec. Nickel. Ah ce tracteur là est vraiment fun hein, quand même. Que ce soit le son et tout, qui est vraiment top quoi. Même la conduite, hein, la conduite elle est vraiment bien. Bah depuis qu'il y a eu la mise à jour bêta, je trouve que la conduite, c'est vrai qu'ils ont quand même amélioré. Bon, on attend la grosse mise à jour définitive, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus agréable déjà au niveau de la conduite, surtout que moi je joue à la manette, donc je veux dire, au début c'était à moitié casse-bonbon, quoi. Je veux dire, c'était bizarre et tout, la conduite, là j'étais dégoûté. C'est pour ça que j'étais pas motivé à jouer non plus, parce que la conduite, je la trouvais vraiment nulle à chier, quoi, Et là, ils l'ont quand même amélioré avec la mise à jour bêta, donc c'est déjà un bon point. Ça m'a donné déjà plus envie de découvrir le jeu, parce que c'est vrai que je suis à la bourre à ce niveau-là. Je vais allumer mes feux. C'est un peu sombre. Oh, ça bug à moitié avec les feux, là. Alors, soit c'est parce que j'ai le trafic, souvent, ça... Le trafic peut faire un peu laguer. Pourtant, j'ai quand même... Un bon PC de course, hein, mais bon. Quoi ce bordel là, mal rangé. Attendez, excusez-moi. Moi je suis maniaque, j'aime bien que ce soit. Les choses soient bien faites. Là c'est dégueulasse. Donc ça me plaît pas. On va s'approcher du coup. Hop, voilà. Ah, c'est ça qui est quand même vraiment cool. Voilà. Alors je vais enlever, hop, voilà. Et voilà. Ah c'est vrai que ce pack de fourches est quand même plutôt cool. Hein. Bon après, il y a aussi le pack de fourches Robert que j'aime beaucoup, hein, de Lux Farm, qui est vraiment génial. Mais bon là c'est après c'est manuel quoi, je veux dire après c'est à vous de faire le... Merde, que j'ai fait. Pardon, c'est à vous de faire le travail quoi. Mais on va dire ces fourches là, même si c'est vrai que bon...
pour certains, ça peut se dire, enfin certains pourront se dire, ouais, mais bon, voilà, c'est le charme n'est plus là et tout, c'est plus pareil, et tout, c'est trop facile. Bon, c'est sûr, c'est trop facile, quoi. Ça, c'est, je l'accorde, mais on va dire, c'est surtout très fonctionnel et on va dire, c'est surtout bien, on va dire, pour ceux qui n'ont pas envie de passer trois plombes à charger. Hein. Enfin, moi, on va dire, je suis un peu moins habile avec une fourche manuelle. Et cette fourche automatique, elle est vraiment top, quoi. Hop. Ah, ça, moi, enfin, en tout cas, moi, ça me permet de bien ranger ma paille. Ça, c'est agréable. Mais bon, après, j'essaierai d'autres, hein. J'essaierai pas que cela. Hein. Hop. Je pars un peu traviole, on dirait. Bon, c'est pas grave, enfin, l'essentiel c'est de ranger tout bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que limite, je sais pas si ça peut le faire en fait. On va tester un truc, hein, mais. C'est pas garanti que ça marche. Faudrait un bulle là pour ça. Hop, on va enlever la collision pour être bien. Ah, si, y a peut-être moyen. Je vais juste bien les coller, voilà, de toute façon à ce que ça soit mis propre. Hop, on va se mettre. Ma limite, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais. Je me fais chier en fait là, avec un tracteur, alors que j'ai le. J'ai le Bobcat JCB, je vais prendre le Bobcat JCB pour voir. Voilà. On va prendre le Bobcat JCB pour tester. Hop, on va mettre celui-là. Alors, le Bobcat, il est où? Il est. Ah, il est là. Nickel. Alors ça c'est le petit Bobcat, enfin Bobcat, une petite chargeuse on va dire JCB type Bobcat hein, que vous retrouverez dans le pack JCB que je ne peux que vous conseiller qui est vraiment génial, enfin en tout cas moi je l'aime beaucoup puisque bah, les véhicules sont quand même bien sympas faut le dire, hein. Peut-être un peu cher c'est vrai hein, mais en tout cas bien cool. Ah baiser, parce que il me faut l'adaptateur que j'ai pensé à télécharger, voilà, il est ici, il est trouvable sur bien des sites, hein. De toute façon pareil, hein, si j'ai le lien à portée de main, je vous le mettrai dans la description. Allez, c'est parti, on va le chercher. Donc dans la carrière agri, hein, bien sûr, on se fera un petit un peu de tout, hein, même s'il y a un peu de forestier à faire, hein, pourquoi pas, hein, après, l'essentiel est de prendre énormément de plaisir. Et c'est vrai que bon... j'aimerais bien m'organiser un bon petit multi là. Parce que ça fait un bon petit moment que j'en ai pas fait. Alors le godet pareil, hein, godet Jurassic provient donc de chez Luxfarm hein, qui est un super godet très fonctionnel et vraiment génial. Qui est ici et que je m'en servirai. Hop! Chargeuse JCB, oh, j'ai pas eu trop l'occasion de bien la tester encore. Bon, j'ai testé comme ça, vite teuf, mais on va dire sans plus, quoi. J'ai pas trop l'occasion de faire de grand boulot avec, donc c'est pour ça que je me dis en même temps profiter quand même, hein, aussi un peu, quoi. Alors, avec l'adaptateur, est-ce que normalement c'est bon hein? Yes, voilà. Donc, petit adaptateur JCB, comme ça, ce qui permet de. D'accrocher hein, donc du coup les outils divers. Alors là, la fourche on dirait qu'elle réagit mal un peu là, non? Enfin je sais pas. Hop. Ah ouais voilà, en fait ça retire direct des collisions en fin de compte. Ah ouais alors, bon, je vais faire ça après, je vais déjà coller ça. Voilà,
Donc W pour le détacher. Voilà. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai failli. Voilà. Du coup, on va se servir. Je vais retirer les deux petites ballots ici. Hop. Je vais les mettre ici en attendant. Alors, W. Ah, par contre, c'est dommage qu'on n'a pas la. Merde. C'est dommage qu'on n'a pas la fonctionnalité à la manette. Ça, ça aurait été cool. Enfin, bon, après, c'est pas gênant. Hein. Hop. Ah, alors j'ai trop de véhicules et puis en plus il y a le trafic activé. Il faudra que je pense à le supprimer la prochaine fois. Oh! Ah bah du coup il a pas assez de puissance celui-là quoi. Ah merde. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. C'est pas grave. Ah bah non, c'est parce qu'il faut peut-être que je les détache. Pardon. Oh! Ah ouais! Oula! La four. Mon adaptateur, il commence à plier, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est pas super en fait la four sur le JCB. Ça flotte. Ah ouais, en plus je suis incliné à fond. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas terrible. Hein. Bah au moins ça m'aura permis de savoir parce que je le savais pas. Ah ouais, c'est bof avec le JCB en fait. Bah enfin surtout là quoi, je veux dire c'est pas terrible. Bon, on va reprendre le tracteur parce que c'est vrai que ça fout la merde en fait. Le JCB c'est pas terrible. Je préférais le tracteur en fin de compte, c'était quand même beaucoup mieux. Hop. Bon bah désolé pour le JCB hein, qui restera encore dans son coin. Alors j'ai un godet de terrassement aussi hein, qui me servira pour faire donc des chantiers TP hein, avec lorsque ça sera le moment. Allez, on redémarre le 160. Oh, j'aime bien quand même ce tracteur, il a vraiment de la gueule. J'ai vraiment content de ce modèle. En tout cas, un grand merci à toi, Timber, pour ce tracteur-là. Parce que déjà que c'est un modèle qu'en vrai, j'aime beaucoup. Bah tiens, on va prendre les... Voilà. Ah, c'est ça qui est bien quand même avec la fourche, c'est qu'elle est... C'est quand même très rapide. Hein, quand on veut passer... Alors là, pareil, on va enlever aussi les... Voilà. Ah, c'est déjà mieux là. Ah, voilà. Et bah voilà. Ah, là, c'était le Bobcat qui avait un petit manque de puissance, quoi, du coup, quoi. Allez, ah merde, je vais remettre mon HUD, parce que du coup je me paume vu que... Voilà. Alors moi c'est ça que je mets avec la glamasse, je me sers comme ça pour ranger. Hop, voilà. Ça on peut tout faire en même temps. Voilà, nickel. Donc comme ça on va pouvoir remettre mon foin bien gentiment. Ma fourche sélection, merde. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà, on remet le HUD, je me mélange les pinceaux avec tous ces boutons là. On a des fois tendance à se paumer un peu, mais rien de méchant. Merde. Hop. Bien incliné. Tac, et voilà. Allez, c'est parti. Au passage, je voulais aussi prévenir, hein, même bon, si c'est pas la bonne vidéo pour en parler, mais par rapport donc à Beau Simulator, donc jeu de construction hein, sur PC, où j'avais commencé donc un épisode hein, et j'avais prévenu que je ferais une série, que au final j'ai fait un épisode et il n'y a jamais eu sans plus, parce que c'est vrai que bah, j'étais un peu déçu quand même, on va dire, dans le jeu là par rapport au modding, parce que bah on nous avait parlé on va dire de pas mal de petites choses intéressantes dans Beau. Et au final, on n'a pas eu. Donc ça m'a frustré un peu sur le coup. Et c'est vrai que ça m'a tellement dégoûté que j'y ai même pas joué en fait.
Parce que dernièrement j'y ai joué, là je suis qu'au niveau 1 ou 2. Donc j'ai quand même acheté un DLC là qui était avec, hein, donc un DLC Gru. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas recommencer, enfin pourquoi pas me relancer hein, dans la carrière de Bo et puis l'avancer, parce que bon c'est vrai que c'est un jeu que j'ai quand même acheté, j'ai joué on va dire 5-6 fois et ça s'est arrêté là. Donc c'est vrai que je pense que je vais reprendre la série d'ici peu de temps. Donc épisode mission par mission tranquille, hein, en mode cool et détente. Hein. Hop, voilà. Un peu en petite série agricole aussi, ça fait du bien. Ça permet de profiter pleinement et de jouer un peu sur le domaine agri, hein, parce qu'il faut dire quand même le domaine agri dans FS15, il est vraiment cool, quoi. Ouais, il est quand même plus poussé que dans le 13, donc c'est vrai que ça donne plus envie. Et puis bah, au final, le 13, j'ai lâché parce que je pensais faire une version de Passion de Paysage sur le 13, enfin finir la nouvelle version. Qu'à mon avis, je pense que je finirai pas parce que j'ai trop de boulot dans FS15. Je pense que FS13, c'est fini pour moi, quoi. Ça restera un jeu que je garderai toujours hein, pour le fun, mais dans le tiroir. Allez, voilà, on s'arrête là. Pour la paille, donc on va juste ranger notre bordel hein, afin de sauvegarder avant de se quitter, les amis. Hop là. Du coup. Alors, je vais peut-être filer un peu de bouffe à mes animaux au passage. Voilà. On va se mettre bien positionné. Mais vraiment bien un Striker. Moi j'y prends beaucoup. À chaque fois je prends toujours un énorme plaisir à l'utiliser. Même si bon c'est un modèle qui est pas très gros, hein, pas très. Quand même vraiment génial. Bon déjà même en vrai, hein, ça c'est un modèle qui a largement fait ses preuves. Du coup je vais utiliser la. Merde. La mélangeuse. Ah bah elle est plus là, dis donc. Oh qu'est-ce que ce bordel? Allez là, yes. Voilà, je l'avais jamais utilisé, donc c'est pour ça que je tenais à l'utiliser. Ah, la béquille doit être enlevée. Pardon. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, je vais remettre le HUD. Alors, la béquille, comment ça s'enlève? Attacher le cardan, enlever la béquille, V. Attacher le cardan. Ah ouais, pas mal, avec animation et tout, cool. Magnifique. Ah ouais, putain, c'est vraiment de la balle, je vais regarder ça parce que. Ah c'est vraiment top hein, quand même. Waouh, super accessoire quand même. Attacher le cardan. Rond, voilà. Ah ça c'est vraiment cool en tout cas. Waouh, magnifique. Vraiment super. J'ai même pas eu l'occasion de la tester. Hein, et je me dis... je vais quand même profiter. Oh, un peu limite. De la tester. Alors c'est pas une pailleuse, hein, c'est une mélangeuse. Hein, on peut pas... Enfin je pense pas qu'on peut mettre de la paille dedans. Du coup, je vais la mettre. Bon, on va mettre de l'ensilage dedans, on va voir. Bon, on va prendre. Bon, je vais prendre le JCB. On va finir par lui trouver une tâche à faire. Hop! Oh! Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'accessoire, je le revendrai, on s'en fout. Pas besoin pour utiliser le godet. Alors le Karcher, pourquoi il est bleu? Tout simplement parce qu'en fait il est plaçable comme le Karcher original, sauf que vous pouvez en fait, une fois que vous l'avez placé, vous pouvez le déplacer. Donc il suffit juste de prendre une fourche hein, à palette, hein, et puis je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et vous voyez, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc ça c'est vraiment top. Et c'est pourquoi je l'avais téléchargé, parce que je me suis dit ça peut être cool pour le mettre précisément dans son atelier, des trucs comme ça, c'est vraiment génial. Alors, j'avais déjà donc l'ensilage prêt. J'avais pas de mélange, hein, mais bon, ça va le faire comme ça. Voilà. Ouais, pas mal de godets là. Ah, par contre, ouais, je risque. Je sais pas si je serai assez haut, on va voir, on va essayer. Ouais, ça remplit cache. Hein. Donner un peu à bouffer à ces animaux.
Hop. Ah bah si, ça m'a l'air d'être juste, mais nickel. Ouais, bon, après, faut pas se leurrer, ça va mettre 3 plombs. On va prendre la chargeuse direct, hein, les amis, on va pas... Bon, je pense que... Bon, après, le Bobcat, il reste quand même... Bon, on va quand même se refaire un petit chargement. Il reste quand même pas mal, mais bon, après, vous voyez, c'est... Tout est en petit, hein, donc... Mais après, c'est surtout que ce qui est pratique, c'est qu'il passe partout. Et qu'il est vraiment très, 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 très maniable, comme vous pouvez le voir. Hop, un demi-tour, c'est réglé en même pas une seconde. Bah sinon, pourquoi je me fais chier autrement? J'ai qu'à faire ça. Hop, reculer sur la rampe. Voilà, oh, bah, comme ça c'est bon. Allez, nickel, on va voir si ça passe. Un pack. Juste, mais un pack. Un petit peu éternel hein, quand il se vide à la fin. On va quand même prendre le JCB, hein, parce que ça met un peu trop de temps, je trouve, avec ce petit JCB qui est pourtant bien sympa. Visuellement, vraiment très très beau en tout cas. Allez, hop, c'est parti, on enchaîne. Alors, celle-là, c'est ma petite préférée, je l'adore. Celle-là, c'est vrai que je l'adore, cette JCB. C'est pour ça que c'est ça qui m'a attiré sur le pack JCB Cash hein, et direct. C'est la chargeuse. Que je trouve vraiment géniale. Moi, c'est pareil, hein, il y en a une à côté de chez moi, pas très loin. Dans une ETA. Alors, je sais pas si c'est tout à fait le même modèle que celle-là, mais en tout cas, faudrait que je regarde, tiens... Je m'arrête la prochaine fois, dire bonjour et en même temps aller voir la chargeuse parce qu'elle est pas vieille, hein. Il me semble qu'elle avait été achetée il y a pas longtemps. J'aimerais bien la tester en vrai, ouais, histoire de voir un peu quand même quoi. L'efficacité de cette machine, hein, la soi-disant reine des ensilages, enfin des tassages quoi. Ouh, je suis un peu juste là. Ouh. Ça va le faire. Bon, allez, je suis plein. Hop. Va donner un peu à manger aux animaux. Alors, je sais pas s'il y a de l'eau à leur donner. Tiens, on va les voir tout de suite. J'ai jamais fait gaffe. Parce qu'à chaque fois que je fais de la grille sur la même là. Ah si, ah ouais, il y a de l'eau à leur donner, je pense. Bon bah on va leur donner après, histoire de se terminer dans ce premier épisode, hein, les amis, il y en aura bien d'autres. Hein. De toute façon, que ce soit en solo et en multi. Je pense en multi hein, d'ici peu de temps, je vais organiser ça rapidement. Faut que je réouvre mon serveur, parce que bah, en fin de compte, à chaque fois que je l'ouvre, il me sert jamais à rien. Je joue 3 fois dans le mois, limite, quoi. Ouais. La plupart du temps, je fais mes tests de masse. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de faire un peu d'agri, hein, surtout notre passion avant tout. Hein. Et c'est vrai qu'après le monde mapping, ça prend tellement de temps que généralement ça bousille un peu tout notre plaisir de jeu. Alors, je m'excuse hein, pour ce petit coup de café qui commence à être froid d'ailleurs, je vais boire le reste. Donc voilà, allez, on continue. Avec un dernier godet, et puis après on va aller rechercher de l'eau, et puis on s'arrête là, les amis, hein, pour cet épisode, hein, déjà qui dure déjà. Enfin, qui aura duré déjà pas mal de temps. Et en tout cas, c'est surtout un énorme plaisir hein, de pouvoir s'amuser sur une carrière à gris. Puis je me dis, voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Hein. Donc après, ce sera sur plusieurs types de cartes. Hein, on va dire, cette série, hein, ça pourra se faire sur. Tout type de carte, hein, même si jamais, hein, les amis, hein, pourquoi pas vous-même, hein, vous souhaitez partager l'une de vos cartes préférées et s'amuser dessus, hein, que ce soit sur votre partie, hein,
pour prendre du plaisir dans une vidéo avec vous. Ça ne pourrait être que sympa, hein, je me dis d'un côté, donc sur l'une de vos cartes préférées. Hein. Elle est vraiment cool cette chargeuse, hein, c'est un truc de malade. Hein. Ouais, moi cet intérieur qui est vraiment top quoi. C'est vraiment terrible. Alors juste les rétros, ouais, les rétros qui ont un petit délire des fois, bon, c'est pas trop méchant. Et puis qui sont pas très bien réglés, faut dire aussi, parce que les rétros de la chargeuse, c'est un peu à l'arrache. Hein. Je veux dire, si on se fie au rétro, waouh quoi. Ce serait pas terrible. Hein. Oh bah qu'est-ce que. Attendez. Alors, je préfère ça. Ah, je pense me prendre un volant aussi. Volant joystick d'ici peu de temps. Ouais, limite, je pourrais vendre le Bobcat, hein, parce qu'en fait, je pense que la chargeuse me servira à tout en fait dans la ferme. Ouais, tellement bien cette chargeuse. Ah, tout n'est pas vidé. Oh, vite, merde. Oh, et puis je vide tout. Oh là là, quel imbécile. Bon, bah, voilà, super. Bon, allez, on met notre chargeuse sur le côté. Ici, là. Et puis, on va aller vider les. Pour finir le soin des animaux. Et puis après, on va aller chercher. On va se terminer avec de l'eau, quoi. Toujours au soin des bêtes, quoi. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ouais, il va falloir que j'achète ma citerne d'eau parce que j'en ai pas. Et qu'après, j'aille pomper de l'eau. Ah, par contre, niveau maniabilité, pas top top. Hein. Après, les casques, c'est vrai que même en vrai, hein, niveau maniabilité, c'est vrai que c'est bof, quoi. Enfin, au niveau de l'angle de braquage. Enfin, ça dépend des modèles. Hein. Après, je parle pas bien sûr de tous les modèles cases. Hein. C'est vrai que certains modèles, tel le 5150 par exemple, hein, ou même d'autres, hein, ont une maniabilité un petit peu limitée, je trouve. Donc voilà, on va regarder le pourcentage en même temps. Alors c'est où déjà qu'on voit le pourcentage? Voilà, c'est ici qu'on voit productivité 35%, vaches 150, lisier 171 354, fumier 48 670. Faudra qu'on se fasse un multifumier aussi, les amis. Auge, ration mélangée, auge ensilage, auge herbe, paille, réservoir à lait. Ok, d'accord, c'est bon. Ah ouais, faudrait que on s'organise pas mal de petits fun comme ça. En tout cas, vraiment génial, hein, cette. Mélangeuse Roland. Allez, on la ramasse et on termine par aller chercher. Enfin, on termine par le pompage de flotte pour les animaux. J'avais même pas fait gaffe en plus sur la map, je m'excuse. Bon, c'est vrai que quand je joue, généralement, je cible souvent le fauchage ou souvent les mêmes trucs. Alors là, on va passer à avoir V et O pour enlever le cardan. Voilà. Alors bien faire gaffe à ça parce que si du coup vous la détachez et que vous avez pas, enfin que vous avez pas mis la béquille, du coup bah c'est catastrophique. Ah ouais, c'est vraiment limité dans ces cadences de tournage. Hein. Allez, allez, on prend une cuve d'eau, une cuve d'eau. Bah ouais, mais j'en ai pas dans du verre. Non, bon c'est pas grave, on va se prendre une cuve originale. Hop, elle est ici. Voilà. On va tester parce que c'est vrai que j'ai même pas donné de l'eau à mes animaux. On va laisser mourir de flotte. On va rechercher de l'eau nutritionnelle. Wow! Petit coup de lavage aussi en fin de vidéo hein, pour mon beau tracteur. Allez, hop, on remet le chudé, hop, c'est parti. Alors normalement, hein, sur la map originale, c'est des triggers du coup que vous avez hein, pour récupérer l'eau. Mais là, vu que du coup, moi j'utilise une plaque d'eau, hein, donc du coup, bah,
Bah, j'ai juste à faire trempette avec la citerne et puis c'est parti quoi. Ça remplit cache quoi. Voilà, donc là, on a avantage. Hein. Puis en plus, bah après, moi j'aimais pas trop la plaque d'eau que le créateur hein, Vertex Design avait mis en fait. Parce que, bah, enfin personnellement, hein, après c'est pas méchant, mais je veux dire, c'est juste que voilà, je trouve que l'eau elle est un peu trop claire, ça fait un peu trop. Enfin, un truc un peu bizarre, je trouve quoi. Ça fait vraiment, tu sais, comme si l'eau elle était à la perfection de chez Perfection. Et je trouve que cette plaque d'eau là d'origine. Dans Farming, elle est vraiment magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment très très belle. Surtout que je suis en train de bosser sur des effets relief sur la Bandico avec justement cette plaque d'eau originale, quoi. Et bon, c'est vraiment magnifique, hein, y a pas à dire. Au niveau de l'eau et tout, on peut en plus avoir des effets vraiment très sympas. 6000 litres, c'est parti. On va donner de la sèche à nos animaux. Ouais, c'est vrai que niveau braquage, hein, c'est faut bien s'y prendre quand même avec ce modèle. Alors, j'espère que ça va le faire ici. Ah, ouais, je vais vendre ce petit Bobcat aussi là, qui me gonfle pas, comme ça va m'éviter de le déplacer. Oh là, là, je passe tout à une vitesse d'enfer. Alors, on va déjà vendre son adaptateur. Hop. Le godet. Hop, hop. Et le Bobcat. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, terminé. Alors, animation trigger, bien sûr, pour ouvrir les portes manuellement. Hop. On va prendre bien large. Hein. 150 vaches, bon, il y a un peu beaucoup, hein, c'est surtout pour avoir du rendement du fumier à fond, quoi. Alors, on navigue entre les copines. Oh. Mademoiselle. Alors, je sais pas si c'est comment ça marche. Il faut se mettre sur le côté. Non? Bah je sais pas. Ou alors c'est peut-être sur le côté, je sais pas. C'est bizarre ça. Attendez, regardez. Un truc. Alors attendez, je vais utiliser mon panel pour voir. Ah donc il y a bien un trigger. Donc là j'utilise le panel hein, de Farming, donc c'est un système. Donc soit au cours d'une vidéo je vous réexpliquerai comment faire pour activer le panel si vous connaissez pas. Et en fait ça c'est bien pratique parce que du coup ça va vous permettre, vous voyez, de voir les collisions, voir les triggers. Enfin il y a pas mal de petites informations comme ça qui sont bien sympas avec ce mode. Enfin que ce mode, que je raconte. C'est d'origine quoi, je veux dire, c'est dans le jeu donc. Je veux dire, il suffit juste d'activer en fait dans les dossiers MyGam hein, et puis après ça marche nickel. Allez, on va se mettre juste là. Ah, c'est bizarre ça. Peut-être qu'il faut une. Ou alors c'est peut-être de l'herbe, hein, c'est peut-être pas de l'eau en fait. Peut-être que je me suis planté en fait tout simplement. Ah ouais, il y a de grandes chances. Hein. En fait, j'ai dû me planter. Ça doit être sûrement de l'herbe en fait, ça doit être et non de l'eau. À moins que, hein, on va tester dans ce sens-là. Mais... Ouais, je pense que c'est ça, c'est de l'herbe, il n'y a pas d'eau en fait à leur donner. Bon, je me suis trompé, excusez-moi. Ça arrive. Parce que des fois, on a. Alors, je vais quand même vérifier. Hein, ouais. Qu'il n'y ait pas non plus. Ouais, je pensais qu'il y avait de l'eau là, à donner en fait dans. Dans Olsen. Bon, bah. Bon bah c'est pas grave. Bah le lait on récupère ici, ok bon ça c'est sûr. Moi c'est pas grave, autant pis hein. Autant pour moi je me suis planté. Je pensais qu'on pouvait leur donner de la flotte. Mais bon c'est pas grave. Bon allez on va se terminer là les amis, on va s'arrêter là, on va juste passer un petit coup de karcher sur notre tracteur. Pour voilà, hop, on va fermer l'arrière. Tap c'est bon. On met juste un petit coup de karcher tranquille. Bah du coup on va vendre hein, du coup là. Malheureusement, la citerne à eau. Ah, je l'ai encore passé, décidément. Là, je vais un petit peu trop vite. Le café m'a rendu un peu trop. Voilà, elle est ici, à côté de la cuve à essence. Et voilà. Bon, allez, on va se terminer par un petit coup de lavage. Et puis, on va ramasser notre bestiau. On va quand même
Avoir la conscience tranquille et fermer les fenêtres parce que sinon je vais arroser tout l'intérieur, j'imagine. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Activat. Alors je vais remettre en full écran. Voilà. Voilà, il est tout propre, ça va plutôt vite. Ça qui est bien. Voilà. Allez, notre recteur est tout nickel. Bah, ça fait du changement quand même. Hein. On voit que la vitre est toute bien propre et tout. Allez, on va le mettre dans son parking. Enfin, dans sa place, hein, excusez-moi plutôt. Et. Oh, c'est quoi ce truc-là? Ah oui, c'est le. Je sais plus, le truc météo, je sais plus comment. Ou le. Enfin, bref. Allez, on se met ici. Hop, à la maintenance. Parfait, joli petit atelier original. En tout cas, bien sympa et beaucoup de plaisir en tout cas sur la Holzhauen. Je vous mettrai le lien dans la description, hein, les amis, de la carte si vous souhaitez la télécharger. Allez, c'est ici qu'on se quitte, les amis. On se retrouve très prochainement, hein, pour bien d'autres épisodes, hein, suivi aussi, hein, de la continuité, hein, sur la série donc à gris. Hein, donc, bien sûr. Sur différentes cartes, hein. Donc je continuerai un petit peu sur cette carte quand même, puisque c'est vrai que c'est une carte, enfin c'est l'une de mes préférées en matière d'agricole, enfin il y en a plusieurs quand même que j'aime beaucoup, hein, y compris la BP, tout ça. Il y a quand même pas mal de maps agri qui sont vraiment géniales et où on peut vraiment bien s'amuser. Donc c'est pour ça que j'essaierai de diversifier un petit peu avec plusieurs types de cartes, et puis pourquoi pas aussi tester des mods, des véhicules, des accessoires, et aussi prendre du plaisir avec vous les amis en multi, comme je vous expliquais, hein, dans la vidéo pour l'organisation, hein, je pense que c'est comme ça que j'essaierai de faire, hein, je pense que ça serait le mieux et au plus simple aussi, surtout, parce que sinon c'est vrai que ça va être compliqué, et puis bon, moi c'est vrai que j'ai quand même pas mal de mods, j'utilise quand même un bon gros paquet, donc c'est vrai que si après il fallait tout envoyer à chaque personne, on n'aurait pas fini, donc je pense que sur le serveur il y aura entre 3 à 6 modes maximum, donc des modes efficaces, hein, de façon à pouvoir bien s'amuser entre amis en multi. Les amis, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement dans bien d'autres vidéos. Salut à tous et à toutes.